Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. Nahnu abid, a'udhu bi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa shukrulillah wa la ilaha illallah, wa lahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim, bismillahir rahmanir rahim. Ati'u Allah, ati'u Rasul wal ulil amri minkum. Louange à Allah Azawajal, le Seigneur des mondes, qui nous a accordé cet instant de compagnonnage. Sohba. Dastur maladia sidi maladia rijalallah. Ya sultanul awliya. C'est Nasheh Mohamed Nazim al-Haqqani. Dastur ya sahib al-imdad. Ya sheikhuna. Adad al-haq. Cheikh Mohamed Hisham Kabani. Tirullah atur rasul wal ulil amri minkum. Nous sommes sur une course pour la vie de toutes les créatures avance et les feuilles de leur arbre de vie s'étiolent les unes après les autres et le serviteur doit apprendre à être gratifiant pour son Seigneur. Donner le hamd, donner le shukr. Et cette gratification, alors, il faut au moins que le serviteur se rende compte des faveurs de son Seigneur. Et comment il a été honoré parmi les honneurs. Et comment il a été favorisé parmi les faveurs. Et comment il a été illuminé parmi les lumières. Et comment il a été choyé par son Seigneur, désireux de nous accorder notre vie, notre destinée, qui nous a créés par amour, qui nous a créés à travers sa générosité. Ce mois de Rajab, Shahrullah, est un mois propice à l'intimité avec Allah. C'est un mois d'abord de séclusion, et c'est un mois également qui est propice au rapprochement de ceux qui sont désireux de contempler leur Seigneur. Et ce mois, Allah Azawajal l'a choisi parmi les mois, Rajab Shahrullah, pour que les serviteurs puissent en tirer un bénéfice. Et on rappelait toujours, le serviteur, il est toujours aux aguets des vents favorables pour le rapprocher de son Seigneur. Ces vents favorables nous arrivent tous les jours. Ces vents favorables nous arrivent à chaque instant. Ces vents favorables se manifeste sur tellement d'horizons. Et nous avons eu aujourd'hui une discussion intéressante sur le compagnonnage de ceux qui nous rapprochent d'Allah. Allah Azawajal dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, ayez la taqwa, craignez Allah et gardez le compagnonnage des véridiques. Ce verset est celui qui est le plus souvent mentionné pour rappeler à tous et à toutes l'importance de garder le compagnonnage des chers, de garder le compagnonnage des véridiques, de garder le compagnonnage des vertueux, des pieux et
des serviteurs que Allah a choisi parmi ses serviteurs qu'il a illuminés de ses faveurs. Alors nous devons chercher leur compagnonnage, où qu'ils soient, où qu'elles soient, et essayer de nous laisser guider, essayer de nous laisser imprégner de leur réalité, essayer de nous laisser infuser de leur réalité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également donné la recommandation de faire attention à ceux que nous côtoyons. Et donc, il y a en islam une éthique de ceux que nous côtoyons. Et cette éthique, bien entendu, elle nous rappelle qu'il faut garder pour amis, il faut garder dans nos relations, il faut garder dans les gens vers qui on incline notre attention, notre amitié, notre cœur. Il faut garder, essayer de garder les gens de la lumière. Donc les gens qui sont sur une certaine droiture caractérielle, une certaine vertu, qui sont enclins également à chercher le visage de leur Seigneur. Et il faut s'éloigner des gens de l'obscurité, de la fourberie, de la corruption, de la mécréance, de la transgression, du dhulm, de l'oppression, de l'obscurité, de l'obscurantisme, sous toutes les facettes qui se présentent. Hein? Jahiliya, l'ignorance, elle ne se présente pas, elle ne se présente pas sous une forme ignare et inculte. Jahiliya, dont on parle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour effacer, ce n'est pas une. Il n'est pas arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez un peuple qui était ignorant, ignare et inculte. Non. Les tribus arabes étaient, beaucoup d'entre eux étaient lettrés, beaucoup d'entre eux avaient l'éloquence de la parole, beaucoup d'entre eux étaient connaissants, beaucoup d'entre eux avaient beaucoup de traditions et de coutumes. Et les protocoles des traditions, les protocoles des coutumes chez les Arabes étaient relativement très complexes et sophistiqués et complets. Mais quand on parle de Jahiliya, de cette ignorance-là, ce n'est pas donc la connaissance telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est l'ignorance, c'est l'absence d'une vision qui mène sur le chemin d'Allah. Car on peut être plein de connaissances, on peut être avoir beaucoup de savoir, comme nos sociétés d'aujourd'hui ont élaboré sur tellement de pistes de savoir, ont ouvert tellement à propos de cette dunya, ont réfléchi sur tellement de choses, mais toutes ces orientations sont de la dunya, sont matériels. Et ces orientations, les mathématiques que nous avons développées, ou la physique, ou l'astrophysique, ou la biologie, ou la génétique, ou la chimie, ou la philosophie, ou l'anthropologie, ou les sciences de l'histoire, ou les sciences de la géographie, ou les sciences, quelles qu'elles soient, que nos sociétés ont développé, n'ont pas pour but d'attirer les serviteurs à être de bons croyants et à aller vers leur Seigneur. Non. Au contraire, Shaitan a permis d'accéder à beaucoup de ces secrets de la matière, à polariser les individus pour aller chercher tellement de choses, pour créer beaucoup de savoir, pour créer beaucoup de systèmes, pour créer un scénario qui offre tellement de richesses de divertissement, qui garde les humains tellement occupés avec la matière. Et donc,
Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une orientation vers Allah, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la jahiliya, l'ignorance. Où les individus ignorent, comme Mawlana Cheikh Nazim parlait de cette civilisation, l'Atlantide, lorsqu'il a demandé, il posait la question, est-ce que cette civilisation a existé? L'entourage, l'Atlantide est un mythe pour beaucoup d'entre nous. L'histoire en fait un mythe. Mais l'histoire parle d'une civilisation, celle d'Atlantide, avec les Atlantes qui ont développé une société très évoluée et qui finalement a fini par sombrer et le continent, quel qu'il soit, a sombré sous les mers. Et Mawlana Cheikh Nazim, et nous avons assez confiance à sa parole et à son regard, car prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention avec la vision du croyant, car c'est avec la vision d'Allah qu'il voit, qu'il regarde. Et nous croyons de lui qu'il a assez de vision à travers tout ce qu'il nous a décrit du passé, de choses que nous ignorions nous-mêmes à propos de nos vies, et de ce qu'il nous a décrit du futur, de choses qui sont arrivées très certainement les unes après les autres. Voilà, Cheikh Nazim disait, l'Atlantide est une civilisation qui a existé, comme ils le disent, et qui est arrivée au summum d'un développement technologique très avancé, avec des facultés exceptionnelles, mais ce développement, au même titre que le nôtre, a amené son lot de corruption et son lot d'éloignement du Seigneur des mondes. Et Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa ya'budun. Je n'ai pas créé les djinns et les humains excepté pour m'adorer. Et dans l'explication qui est donnée de ce verset, m'adorer veut également dire me connaître, me rencontrer. Me rencontrer. Et donc, l'humain et le djinn, donc les êtres dotés d'intelligence, mais dotés également de volonté et de choix, que sont les créatures d'argile et les créatures de feu, donc les humains et leurs variants, et les djinns, bons ou mauvais. Leur fonction principale est d'adorer Allah et de le servir et d'être dans cette Ibada, c'est d'être dans cette dédicace de son être pour l'expression de son adoration. Mais l'adoration n'est pas simplement une expression d'une attention vers le Seigneur. C'est également une soumission. C'est une soumission à Allah Azzawajal dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Et l'adoration pour le serviteur, c'est de se tourner vers son Seigneur comme finalité, comme source, comme finalité, comme commandeur suprême qui ordonne et qui interdit, et de dédier une partie de l'être dans la munajat, dans l'invocation, dans la contemplation, dans le rituel de dévotion, mais de le servir. Et ce service, alors, à travers ce que nous déployons dans ce monde, nous apprenons à servir notre Seigneur. Et tout autre que cela, toute autre forme rentre dans le sac de la jahiliya ou de la mécréance. Donc tout ce qui n'est pas dédié au Seigneur des mondes, tout ce qui ne suit pas
les règles demandées par le Seigneur des mondes, ou tous ceux qui font la promotion de ce qui est interdit, quel que soit le bien-être qui en ressort, quel que soit le bien-être qui en ressort, il n'apporte pas de fruits, il n'apporte pas d'accomplissement spirituel. C'est quelque chose de difficile à dire, mais lorsqu'on avance dans l'accomplissement, Sayyidina Ali, karam Allah wajha, qu'Allah illumine son visage, a rappelé cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout regard qui n'est pas pour chercher la manifestation de ton Seigneur est un regard qui n'a pas de fruit spirituel. Toute parole qui n'est pas à propos de lui ou sur un flux qui est inspiré par la convenance et par la décence et par l'inspiration et par le désir de faire plaisir à Allah est également vain. Et ainsi de suite pour le serviteur. Et donc, la jahiliya, cette fameuse ignorance, Mawlana Cheikh disait, le shaitan, il a aidé les humains à bâtir tout un univers de choses plus inutiles les unes que les autres, et l'humain qui a développé, qui a analysé, qui a avancé technologiquement, qui a ouvert tellement de domaines, qui a multiplié tellement les manifestations de sa connaissance, alors se perd en conjecture. Il s'égare loin de son axe fondamental, de ce pourquoi il a été créé. Et c'est pour ça, Mawlana Cheikh, quand un disciple, un des mourides lui a posé la question, au Cheikh, c'est Al-Mahdi alayhi salam, Al-Mahdi Muntada, il va arriver sur un temps difficile et Malhamata Kubra, le prophète sallallahu alayhi salam, a dit qu'il viendra une grande guerre. Et Mawlana Cheikh, il disait, nous avons été enseignés que dans cette guerre, 6 personnes sur 7 vont mourir. Et ça, c'est avant l'apparition du Dajjal, de l'Antéchrist, et l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi. 6 sur 7 vont périr durant cette guerre terrible, totale, la mère de toutes les guerres, la somme de toutes les peurs. Et cet individu a posé la question à Mawlana Cheikh en disant, au Cheikh, comment le besoin, la nécessité d'une telle hécatombe? 6 sur 7, c'est beaucoup. Donc, lorsque nous regardons les gens qui nous entourent, il n'y a pas 6 sur 7 personnes que nous considérons comme étant des personnes mauvaises, fondamentalement, même si ce n'est pas des croyants. Hein, pour nous qui vivons en terre non musulmane, mais le commun des gens sont des gens de bonne volonté, généralement. C'est ce que cette personne disait à Mawlana Cheikh. Et nous côtoyons des gens, nous vivons avec les gens, nous allons au magasin, nous achetons des choses, et nous voyons qu'il y a quand même de bonnes personnes. Mais 6 sur 7, ça fait beaucoup. Et Mawlana Cheikh Nazim, il disait, parce que l'humain s'est égaré. L'humain s'est égaré, il a perdu sa fonction. Il a perdu la guidance de ce pourquoi il a été créé. Et là, Ya'budun, excepté pour m'adorer Allah, il dit. Et l'humain, même dans son déploiement, aussi loin qu'il a été, dans sa connaissance, dans son déploiement scientifique, dans son déploiement géographique, dans ce qu'il a bâti, dans ce qu'il a accompli, si ce n'est pas tourné vers Allah, si ce n'est pas dédié pour Allah, si ça n'amène pas les serviteurs vers leur Seigneur, si ces systèmes établis et cette connaissance n'est pas à propos d'enseigner à propos du Seigneur des mondes et d'amener les humains à se connaître et donc à devenir de bons croyants et de bons serviteurs,
ça reste inutile. Et c'est pour cela que les humains aujourd'hui se sont tellement éloignés du chemin de leur Seigneur, de leur fonction primaire, et que il est important d'appliquer aujourd'hui une expression qui est à la mode en ce moment, un grand reset. Hein? Les gens des théories du complot disent que tout ce Covid qui nous est arrivé aujourd'hui arrive pour essayer de faire tomber l'économie mondiale, pour repartir un peu tous les systèmes. Une économie qui arrive à bout de souffle et qui ne permet plus à ceux qui étaient au-dessus de continuer à siphonner les ressources et l'argent du monde, tandis que la majeure partie de l'humanité est asservie. Et donc, cela vient pour qu'on reparte complètement le système à nouveau. Et c'est ce que Mawlana Cher disait. Il faut arrêter ce système. Il va falloir qu'il s'effondre pour qu'il y ait alors une renaissance d'un système qui retrouve sa fonction originelle. Et ce système et les acteurs de cette chute qui va ramener un renouveau sous la fitra, sous l'innocence originelle, que va être l'ère de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Sayyidina Isa alayhi salam. Alors, ces acteurs-là sont les acteurs nommés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la révélation, lorsqu'il disait « Va venir la grande guerre, et va venir mon descendant Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et va venir, qui vont préparer le retour de Sayyidina Isa alayhi salam, qui alors va siéger sur une ère dorée. » Et Mawlana Cheikh Nazim disait « Ce que nous avons accompli est si inutile pour amener le Seigneur, pour amener le serviteur à son Seigneur. Pourtant, nous sommes heureux de ce que nous avons accompli. Nous sommes heureux des matériaux que nous avons. Nous sommes heureux de tout ce déploiement de la dunya. Nous sommes heureux de la technologie et de ce qu'elle nous apporte. Nous sommes heureux quand vous amenez le commun des gens dans des villes à grand déploiement, dans des technologies, tout le monde dit « Mashallah », ou ils disent « Waouh ». Mawlana Cher, il nous disait, Mawlana Cheikh Isha, il nous disait toujours, lorsque vous êtes émerveillé par quelque chose, ne dites pas « Waouh », dites « Mashallah ». C'est comme cela que ça doit être dit, et c'est notre mère, Hajanazia, qu'Allah Azawajal lui accorde une longue vie en santé, qui nous disait, lorsqu'elle entendait les gens dire « Waouh !» au lieu de « Chou, waouh !»« Dis, Masha'Allah, rends louange à ton Seigneur quand tu es surpris par quelque chose. » Et quand la surprise te fait craindre, ou te fait peur, ou arrive, dis « Subhanallah !» Et quand elle est éclatante, « Allahu Akbar !» Loue ton Seigneur sur toutes les... Et lorsque nous arrivons devant ces créatures, souvent, les gens vont avoir l'habitude de dire, de trouver ça beau, de trouver ça exceptionnel. Et Mawlana Cheikh Nazim disait, tout ce que vous avez bâti, Allah Azzawajal a dit, tout ce que vous avez bâti va être anéanti. Tout ce à quoi vous avez donné naissance va périr. Donc tout ce qui est de l'œuvre de l'humain va finir par disparaître. Et ce qui a été bâti ici, quand vient l'ère du Mahdi, alayhi salam, les cités de verre, d'acier technologique vont littéralement être déracinées par les anges qui vont les anéantir et qui vont les jeter dans des abîmes pour ne pas qu'il reste aucune trace de cette technologie inutile. Voilà, cher Nazim disait, l'humain va retourner dans un air très simple, où même pour pouvoir s'éclairer, hein, il utilisera des huiles naturelles et il n'y aura même plus de paraffine comme on a dans les bougies de cire aujourd'hui. Hein.
Les matériaux utilisés n'existeront plus. Ce sera vraiment de la cire produite par les abeilles ou des huiles produites par des produits naturels. Rien de ce qui est moderne ne sera. Pour que l'humain se retrouve libéré de toutes ses attentions pour la matière et qu'il se retrouve alors tourné vers son Seigneur. Allah Azzawajal, il dit dans le Saint-Coran. Et lorsque tu es allégé de ton fardeau ou de tes obligations, alors aspire à ton Seigneur. Et alors aspire à ton Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette lecture est importante parce que nos êtres sont tournés désespérément vers toutes sortes de choses. Nous nageons dans ce que le prophète Abdallah Salatu Wassalam a appelé la Jahiliya Thani, un obscurantisme ou une ignorance ou un temps de l'ignorance pire que le premier, où la confusion va être aussi importante qu'un morceau de nuit noire. Voilà comment il a décrit l'égarement et la confusion des humains. Et Adjahliya Thani, cette ignorance seconde, plus forte que la première, comment parler d'ignorance alors qu'il y a autant de connaissances? Comment parler d'ignorance alors qu'il y a autant d'informations? Comment parler d'ignorance alors qu'aujourd'hui, nous avons des machines qui traduisent les langues? Nous pouvons retrouver n'importe quel texte en n'importe quelle langue, le faire traduire même par une machine, on n'a plus besoin d'appeler un interprète. Nous avons des systèmes de caméras montées sur des télescopes qui sont capables de regarder des galaxies au loin, de scruter tout le système solaire. Nous avons des machines qui descendent jusqu'au fond des océans. Nous en avons d'autres qui arrivent jusqu'à Mars. Nous avons des microscopes qui sont capables de regarder l'infiniment petit et des accélérateurs qui sont capables d'aller jusqu'en physique quantique pour aller travailler sur les particules les plus petites que nous intégrons au fur et à mesure dans les choses de tous les jours. Malgré cela, en fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit Jahiliya Thani, une ignorance seconde si pire que la première. Et cette ignorance-là indique que malgré toutes les connaissances, malgré toutes les sciences, l'humain a perdu et est devenu ignorant de son Seigneur. L'humain est devenu ignorant de ce qu'il est. L'humain est devenu ignorant de ce qui est à propos de lui par rapport à son Seigneur. Il a beau avoir toutes les connaissances requises, si elles ne lui enseignent pas ce qu'il est par rapport à son Seigneur, alors cela n'a plus aucune utilité. D'où la nécessité de cette fin où tous les systèmes vont s'effondrer. Comme il disait Mawlana Cheikh Nazim, ça va prendre un grain de sable, pas plus, pour faire effondrer la machine. Et nous l'avons vu lorsqu'il y a quelques années, il y a eu trois systèmes électriques qui ont lâché, à peu près dans le même temps, dans la même année. Trois immenses réseaux électriques qui se sont arrêtés. Et je pense qu'il y en avait un ici aux États-Unis, entre New York et Toronto, toute la côte est des États-Unis. Il y en avait un sur l'Italie. Si je me souviens, il y en avait un autre au niveau de l'Allemagne, où des systèmes entiers se sont éteints. Imaginez, on est à New York, ils ont passé 3 ou 4 jours sans courant. Et les gens dormaient dans les rues parce qu'ils ne sont plus capables de monter
dans les immeubles. Quand vous alliez à Manhattan ou dans le Bronx, les rues étaient couvertes de gens qui dormaient dehors parce qu'ils n'arrivaient plus à monter les gratte-ciel. Mais ce n'était pas simplement qu'on n'arrivait plus à monter les gratte-ciel. Il n'y avait plus de courant dedans. Il n'y avait plus d'eau qui arrivait dedans. Il n'y avait plus de climatisation. Il n'y avait plus de ventilation. C'était plus ça. Donc on avait coupé toute la circulation. Les ponts avaient été fermés. Et Mawlana Cheikh disait, comment des systèmes qui sont aussi parfaits sont tombés? Comment des systèmes qui ont autant de garde-fous pour empêcher que un système en fasse tomber un autre système, en fasse tomber un autre système, pour que le courant se coupe de l'Ontario jusqu'à la ville de New York, en plongeant tout l'est des États-Unis dans l'obscurité. Comment cela est-il arrivé sans que les humains ne puissent le contrôler? Et il rigolait. Il disait, ça c'est l'œuvre des Aouliens. Juste, ce sont des efforts qu'ils mettent en place pour donner une impulsion de réveil, pour que les gens ouvrent les yeux, pour que les gens comprennent. Il est minuit moins une. Il est minuit moins une avant que ne soient déclenchées les hostilités de la faim. Et ces hostilités de la faim, lorsqu'elles se déclencheront, et que l'heure va passer à minuit, ça c'est la parole de Mawlana Cheikh, tic-tac, tic-tac. Lorsque l'heure va arriver et que ça va se déclencher, les portes de la rahma d'Allah se ferment. Et tous ceux qui n'auront pas réorienté leur cœur à essayer de trouver le visage de leur Seigneur, alors partiront avec le flot. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège. Alors cette ignorance qui est si répandue aujourd'hui, nous devons redoubler d'efforts pour retrouver le sens des choses, pour retrouver la fonction pour laquelle nous avons véritablement été créés, pour remettre en place ce pourquoi nous avons été mis en création. Car si cela ne se remet pas en place, alors nécessairement, ce que nous connaissons devra s'arrêter pour que l'humain retrouve sa fonction originelle. Et la rencontre des gens de la vérité vers laquelle nous devons nous tourner est importante. La rencontre des gens de l'éveil, la rencontre des gens de la croyance et du bien, la rencontre de ceux qui cherchent le visage de leur Seigneur. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éthique en islam. Nous devons chercher et nous tourner vers tous ceux et celles qui sont dédiés pour leur Seigneur. Et ça, c'est un rappel qui est difficile pour nous, hein, parce que nous avons tous et toutes nos préférences. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous serez ressuscité avec ce que vous avez aimé. Mais nous n'avons pas simplement aimé Allah et son messager. Nous n'avons pas forcément simplement aimé les awliya, les mashayikh. Nous n'avons pas simplement aimé nos parents et nos enfants et nos ayants droit. Nous avons aimé également beaucoup de gens dans ce monde qui sont à travers les réseaux sociaux nos stars, qui sont à travers les réseaux sociaux nos idoles, dont nous aimons le talent, dont nous aimons telle ou telle chose. Et
nos sociétés développent de plus en plus de liens pour s'assurer que les humains se tournent vers tellement de petites idoles, vers tellement de petites starlettes. Hein, tantôt, ce sont nos stars du sport, du football, ou de ci, ou de ça. Tantôt, ce sont nos stars de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de Chollywood, de Tollywood. Tantôt, ce sont. Il y a tout un système qui amène l'humain à courir vers ce qui n'est pas le rêve pour lui, à courir vers ce qui n'est pas, qui est illusoire. Et véritablement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, faites attention avec qui vous associez votre cœur, avec qui vous associez votre attention. Quand il est rendu que dans nos conversations, nous parlons 10, 20, 100 fois plus de nos stars que nous parlons des gens d'Allah, que nous parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, que nous parlons des anbiya et de leur histoire, alors il y a une problématique. Alors le serviteur, toujours il est vigilant sur les associations qu'il fait, les associations qu'il fait de cœur et la promotion qu'il fait de ces associations. Qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah Azzawajal nous garde le cœur toujours désireux de sa rencontre, toujours désireux de nous rapprocher de la présence divine et du messager. Qu'Allah Azzawajal garde dans nos préoccupations de remplir notre fonction de abd, de serviteur véritable, et de se détacher de toutes ces taghout, toutes ces idoles et ces fausses divinités qui habitent nos cœurs. Hein? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Le prophète Abdallah Salatu Wassalam a dit de ma nation, je ne crains pas l'idolâtrie, car le haq a été établi et ils adoreront un seul Seigneur. Mais je crains l'idolâtrie cachée, shirk khafi, celle-là qui nous habite tous et qui, à travers nos attentions, à travers nos intentions, à travers nos passions, à travers nos orientations, à travers nos dédicaces, nous nous tournons vers autre que Allah. Nous nous tournons dans la célébration de autre que Allah. Et parfois nous célébrons des gens douteux. Parfois nous louangeons des gens douteux. Parfois nous disons tellement de belles choses sur les compétences de gens douteux que nous ne connaissons pas. Et nous avons tellement, nous savons qu'est-ce qu'ils ont mis, où est-ce qu'ils ont été la fin de semaine passée, qu'est-ce qu'ils ont mis comme nouveaux vêtements, quelle mode ils ont lancé, comment ils se déplacent en jet, ou comment ils font ci, ou comment ils font ça. Nous savons tellement à propos d'eux. Et si on pose la question à ceux-là qui savent tellement à propos de leurs stars et de leurs idoles, décrivez-nous comment était habillé le prophète Abdallah Salatu Wassalam. C'est le silence total. Décrivez-nous quel était le rituel quotidien des compagnons lorsqu'ils rencontraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le silence total. Et là, nous voyons donc comment sont nos aspirations. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous protège, qu'Allah mette une dédicace sur notre cœur pour Allah, pour son rida, pour son plaisir. Qu'il mette dans notre détermination le chemin vers Allah, qu'il nous conforte sur le haq, qu'il nous estampille et qu'il estampille notre cœur sur la servitude honorée,
la servitude honorable, par l'honneur et la gloire de la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad Abdallah Salat wa Salam, par la bénédiction et l'honneur de ce mois sacré, Shahr Rajab, et la guidance de nos machères, ila Hadratin Nabil Fatiha.